La série Camon Vent a un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle de 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à 10$. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Optionnel TV Goma et Moto TV de Boutembo pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flats et autres. Techno n'arrête à rien. Journal sur la Moto TV, voici les titres. Le bureau du centre de promotion socio-sanitaire CEPROSAN a été visité par des voleurs la nuit de mercredi 5 à ce jeudi 6 juillet. 11 ordinateurs et d'autres biens de valeur ont été emportés par ce voleur. Les responsables du CEPROSAN demandent au service de sécurité de diligenter des enquêtes pour identifier les auteurs de cet acte. Le corps de l'ancien bourgmestre de Moussoussa, Maïto Yabovic, a été mis en terre ce jeudi 6 juillet 2023. Son inhumation est intervenue après une messe de funérailles dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Boutembo. Un des éléments des titres de voleurs au pied d'importants biens au bureau du centre de promotion socio-sanitaire. C'est pour ça dans le quartier Kitoulou. Le fait s'est passé dans la nuit de mercredi 5 à ce jeudi 6 juillet. Le responsable du CEPROSAN qui fut sur cet acte signale le vol de 11 ordinateurs et d'autres biens de valeur à côté de chéquiers des banques emportés. Il demande au service de sécurité de diligenter des enquêtes pour identifier les auteurs de cet acte. Un reportage signé Joël Tali. Ce que vous voyez là, ces hommes non identifiés se sont bien équipés avant de se présenter dans ce bureau. Pour preuve, leur mode opératoire qui est très professionnel, de par leur technique très précise. Ils ont forcé la porte. Ces inconnus ont ouvert la porte de chaque pièce que comptent ces bâtiments, y compris les toilettes et les douches. Ils ont tout fouillé, les armoires ont été fouillées par ces bandits. Ce secrétariat est la seule pièce non dévalisée. Poursuivant leur chemin en toute tranquillité, ces bandits ont tourné dans toutes les chambres du rez-de-chaussée pour finir dans la coordination de cette organisation. Là, on avait 5 machines. Comme si cette opération a été menée par un habitué de ce bâtiment, ces voleurs ont suivi chaque étape jusqu'à la partie supérieure, pièce après pièce, mais c'est dans ce bureau de finance que le vrai spectacle a vécu. Dans cette pièce, les voleurs ont pris du temps pour forcer ces deux coffres forts. Vraiment du temps pour casser, comme vous voyez là-bas. Ces voleurs ne trouvent pas d'argent ici, mais quelques chéquiers des banques y étaient conservés. Sur 9 chéquiers conservés ici, les voleurs ont apporté 4, 5 autres étant tombés au portail de la clôture. Pour l'instant, aucune piste menant aux auteurs de cette opération nocturne. La destination de la sentinelle est inconnue et il ne manifeste aucun signe de vie. Comptons 11 machines qui ont été équipées de chargeurs et nous estimons aussi d'autres biens, des documents, des valeurs que nous n'avons pas pu retrouver. Sinon, on avait un gardien des sociétés Camus qui était là hier. Donc, nous n'avons pas de traces du gardien. On ne sait pas si le gardien est encore en vie ou comment. En tout cas, et son nom, c'est notre crainte aussi. Les services de sécurité sont déjà saisis du dossier. Les responsables du CEPROSAN souhaitent que les auteurs de ces vols soient attrapés pour qu'ils répondent de leurs actes.
cours du mois de juin, la commune de Bulengera a connu une petite accalmie. Selon le rapport de la société civile de cette municipalité, ce futur salue la collaboration des habitants avec le service de sécurité qui, selon son président, conduit à cette situation d'accalmie. La société civile remercie la justice d'avoir suivi les dossiers des bandits qui avaient opéré dans le quartier de Rouenda. Il appelle la population et le service de sécurité d'œuvrer pour pérenniser cette accalmie pour qu'elle dure. Propos recueillis par Nzanzouenda Samuel. Suivant. Ce qui concerne ce mois de juin, il faut le dire qu'il y a quand même eu une évolution sur les plans sécuritaires, hormis les cambriolages de maisons, parce que sur ce plan-là, il y a beaucoup de biens qui ont été emportés, des maisons qui ont été vandalisées par des mauvais visiteurs nocturnes, et la population a perdu beaucoup de biens comme des sommes d'argent, en tout cas inimaginables. Mais sur le plan humain, il faut le dire que nous avons enregistré pour ce mois de juin zéro cas de personnes retrouvées pendues, zéro cas de personnes tuées par armes blanches ou armes à feu. Nous avons enregistré zéro cas de personnes tuées par justice populaire. Pour nous, c'est vraiment une situation qui nous a réjouis comme acteurs de la société civile à la commune de Bulengera, la commune qui a vraiment principalement été vraiment une zone où beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et nous pensons que cette baisse de la courbe était vraiment fouine, c'est fouine d'une collaboration entre la population et les services de sécurité, mais aussi les efforts fournis par des uns et des autres. Mais également, ces efforts ont abouti à l'arrestation de certains bandits. Et ces bandits-là ont même été condamnés. De ce point-là, nous remercions les services de sécurité parce qu'ils ont accéléré avec la vitesse dans le suivi de ces dossiers-là. C'est ainsi que nous, comme acteurs de la société civile, nous recommandons aux services de sécurité de multiplier encore les efforts pour stopper les cambriolages des maisons qui sont en train de s'enregistrer ça et là. Mais également, nous appelons la population à ne pas céder à une distraction, parce qu'on vient de finir et moi, on peut penser que tout va bien. C'est-à-dire, nous appelons la population à une vigilance, que quand il y a par exemple un cas qu'il faut dénoncer, il faut vraiment le dénoncer, parce que la personne qui est suspecte, par exemple, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va causer des dégâts dans la communauté. Mais également, nous demandons aux services de sécurité, surtout à la justice, que lorsque la population vient délivrer un présumé bandit, il faudrait qu'on accélère avec le suivi dans le cadre de ce jugement. Cela va permettre à ce qu'il y ait renforcement de la confiance entre la population et les services de sécurité. Et vous le savez, lorsqu'il y a confiance, c'est là même la base. C'est là même la base pour mettre la sécurité dans notre chère commune. C'est les propos de John Kameta, président de la société civile en commune Bulengera. Autre chose, dans cette édition, le capitaine magistrat Ngoua Milosi Georges, auditeur militaire, garnison de Boutengo-Loubero, indique que sa juridiction fait le mieux qu'il faut pour désengorger la prison centrale de Kakwangura. Interrogé par Moto TV ce jeudi 6 juillet, l'auditeur militaire explique que les dossiers de prisonniers sont en cours de traitement, à la croire 35 détenus accusés pour de faits bénins ont été libérés entre janvier et juin. 147 autres détenus ont été envoyés à Béniville. Deux processus sont en cours pour transférer à Goma des détenus déjà condamnés. Nous le suivons. On peut situer les causes. La première, c'est que à la construction de la prison de Kakwangura, la population de Butembo n'était pas comme elle est actuellement. Ce qui suppose que la capacité d'accueil de la prison de Kakwangura était faible, c'est-à-dire qu'elle était adaptée à la population du coin. Et la deuxième, c'est que le taux de criminalité est aussi élevé. La troisième, c'est que la prison de Kakwangura accueille toutes les personnes délinquants, toutes les personnes qui sont en conflit avec la loi, depuis le territoire de Loubero. Ça veut dire, nous partons de Kanyabayonga, nous partons de Mangourouji, la frontière pratiquement avec Routchou. Je peux vous avouer qu'il y a un grand nombre
des détenus qui sont en prison, qui sont déjà à la disposition du tribunal. Donc je crois que tout se passe normalement, nous accordons priorité au dossier par rapport à la gravité des faits. Il y a un mois que moi-même j'ai procédé à la libération des cas bénins. Donc tout le monde qui est en prison n'est pas là pour des faits bénins. Il y a des personnes qu'on ne peut pas libérer parce que les faits sont graves. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la prison, les gens diminuent en prison? Ça c'est un rêve. Donc autant que nous arrêtions, autant que les gens sortent, non, sortent peut-être acquittés, sortent parce que faits bénins, d'autres sont jugés et condamnés définitivement. Donc la criminalité est proportionnelle aussi à... C'est un fait social. Ce serait l'idéal que d'avoir une prison adaptée aux dimensions et aux standards reconnus. Dès samedi 1er juillet dernier, aux soins à Goma, l'ancien bourgmestre de Moussoussa, Maïtoya Bovic, a été mis en terre. Ce jeudi 6 juillet, une messe de funérailles a été dite à la cathédrale Mater Ecclesiae de Boutembo en sa mémoire. Deux autorités administratives, deux membres de sa famille, deux amis et connaissances étaient présents à la cathédrale pour prier pour le repos de son âme et l'accompagner à sa dernière demeure. Reportage, Mme Benzima Zekeli. Au cours de la messe, plusieurs allocutions ont été prononcées par les autorités politico-administratives et des membres de la famille. Chico Patrick, maire honoraire adjoint de la ville de Boutembo, se rappelle que Febovic aimait ses administrés et s'animait des soucis de leur bien-être. Tout ce que nous retenons, c'est que c'était un cadre très compétent, un homme dévoué au service. Il a rendu des bons et loyaux services. Le Birek, sa formation politique, perd un membre qui collaborait avec les autres. De par cette attitude, il appelle tous les partis politiques d'œuvrer pour le bien-être de la société malgré leurs divergences idéologiques. Le membre de la famille pleure un père et un fils qui se souciait de la cause de tous. Ses affaires biologiques témoignent de son amour envers eux, envers le membre de la famille et les amis. L'homme de la situation, sa cible, aimant, tendre, généreux et fort à l'enfant. Après la messe de funérailles, le prêtre a remis à Febovic les signes baptismaux. Plusieurs personnes sont venues des quatre coins de Boutembo pour pleurer cet homme d'État et l'accompagner à sa dernière demeure. Après la cathédrale, le cortège funèbre s'est rendu à Mabambi, un village situé à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Boutembo, dans le territoire de Lubère pour son inhumation. Paix à son âme, autre chose. Au début, ce jeudi 6 juillet 2023, d'une campagne d'évangélisation en paroisse Marie-Échelle du Paradis de Voutetier-Baz. Pendant 4 jours, les fidèles catholiques de Baz seront édifiés profondément sur la foi catholique. Cette activité ecclésiale se déroule à l'esplanade de l'Institut technique industriel de Mahamba. En ce premier jour, les fidèles ont suivi des enseignements sur les 4 piliers de la foi chrétienne de l'amour de Dieu. Reportage Gérard Morefou. C'est ici, à l'Institut technique industriel de Mahamba, où les fidèles de la paroisse Marie et chef du paradis des Boutetier-Baz se réunissent pour des enseignements autour de la foi catholique. À partir de 9h, les participants ont exécuté des chants de louanges. Pendant ce temps, les évangélistes venus du renouveau charismatique catholique s'oriente vers l'hôtel. Kaliotro Michel, qui a présidé l'étape des enseignements, a parlé des 4 piliers de la foi du chrétien. Ce prédicateur a recommandé aux participants à se laisser guider par le Christ, conformément au commandement de l'Église. Après les enseignements, la messe commence. Le curé de la paroisse de base l'a présidé. Dans son homélie, il a exhorté les chrétiens à la repentance pour mériter les grâces de Dieu. Les cérémonies de la première journée ont été clôturés par l'adoration du Saint-Sacrement et la prière de délivrance. Le responsable de la paroisse de base informe que
Cette campagne d'évangélisation ira jusqu'au dimanche prochain. La journée internationale du baiser, ce chaque 6 juillet de l'année, le baiser était un geste d'expression, d'affection, d'amour et de tendresse entre les individus. Le psychologue clinicien Kambu Viti Anwarit indique que cela n'est pas une habitude de la culture de Butembo, tout en reconnaissant que le mœurs évolue avec le modernisme. Elle recommande aux personnes qui se donnent de baiser de se rassurer de leur santé et de la bouche pour ne pas se contaminer de maladies buccales ou de maladies de sang. Pour ceux qui souffrent de plaies dans la bouche, suivez ces propos recueillis par Delphée Vouéa et Luciana Mzivira. C'est d'abord un comportement inhabituel, c'est donner des baisers, et on pouvait bien confondre ces donner des baisers à, déjà à la prostitution. C'est-à-dire que ces données des baisers étaient déjà signes de la sexualité. Et c'est pourquoi c'était considéré comme un tabou. Mais alors aujourd'hui, si les gens commencent à se donner des baisers, c'est parce qu'il y a des cultures qui entrent pour venir influencer la nôtre. Et maintenant que les cultures viennent nous influencer, nous commençons à considérer que ces données de baisers, c'est aussi une forme de salutation. Ce qui lui est demandé, normalement, c'est une éducation. Il faut une éducation pour ne pas peut-être exagérer ou parce que le baiser, c'est donner des baisers. C'est donner des baisers, c'est par deux voies buccales, par deux voies, je ne sais pas comment. Ce sont des voies aussi qui sont de voies de transmission des maladies. Qu'il faut que donc, il faut une éducation pour que cette façon de se saluer ne soit pas aussi un moyen de se transmettre des maladies. Les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo ont des idées divergentes à ce qui concerne le baiser. Pour certains, il consiste à une salutation qu'on peut échanger avec deux proches. Et pour d'autres, le baiser était signe d'amour, un geste d'intimité. Ils apprécient de recevoir deux baisers comme geste affectif, surtout venant des sexes opposés. Ils se sont exprimés dans ce propos recueilli par Delphi Vouéa et Luciana Mzivira. Tout sont des salutations affectées, mais ça se diffère à quelque sorte. Comment ça? Bien, parce que ça va dépendre de quelqu'un qui t'a fait, qui te tend sa main, ou bien de quelqu'un qui t'a baisé. Comme c'est facile de me câliner avec mes camarades de l'auditoire, oui, mais avec mon mec ou bien mon baillet, ça donne quelque chose de spécial, vraiment. Tu sens donc l'affectivité, donc la tendresse. La façon dont ton baillet va le faire, c'est pas de la même sorte, en fait. Il y a une différence, vous savez, lorsqu'il s'agit d'un baiser, d'une relation familiale, là on peut se salier à famille, d'un amour agapé, ou d'un amour filéo, comme on le dit. Mais aussi pour le baiser d'une relation amoureuse, là il s'agit d'un amour érose, là aussi sali, donc là nous ressentons des choses là qui suscitent dans nos cœurs les sentiments, les émotions et autres choses. C'est la salutation, mais ça dépend de la personne avec qui vous faites ça. Donc je veux dire que la différence, c'est juste les sentiments que vous éprouvez en fait face à la personne avec qui vous faites ça. Déjà, si on peut parler du social, lorsqu'on me donne la main, n'importe qui peut me donner la main, mais je vais te le dire tantôt. Et les sentiments, en fait, vous sentez, c'est comme si vous étiez. Déjà, vous sentez que c'est l'amour entre vous, quoi. Donc, il y a une différence entre celui qui vous donne la main et celui à qui vous faites un baiser. Bon, quand je donne le baiser, je sens que, bon, en fait, j'oublie tout. Je sens comme. C'est une salutation comme tout autre. Mais baiser, c'est différentiel. Et ça dépend de la personne à qui tu as donné le baiser. Tu peux me donner un baiser, mais je ne vais pas ressentir le même sentiment que quelqu'un que j'aime trop. Un sentiment d'affectivité, de tendresse. Je me sens en tout cas très bien quand on me donne un baiser. Quand on me donne la main, c'est une signe de salutation comme tout autre. Je peux ressentir
une affectivité, mais pas tout comme un baiser. Tout comme une femme et un homme, ce n'est pas un problème. La personne à qui j'aime toute ma confiance. Donc, ici chez nous, c'est pour les amoureux, ce que nous constatons selon notre coutume. Mais quand on met à la main, ça c'est normal parce que ici chez nous, c'est très difficile de baiser l'un de ses parents. Mais pour la fille là, bon, c'est bien, mais ce n'est pas beaucoup habituel ici chez nous parce que les filles, on sait que si tu baises un garçon, sinon c'est ton copain. Quand c'est baiser des mecs, bon, je ne passe à rien parce que c'est normal pour moi et garçon, mais je ne peux rien sentir, c'est juste ça passe facilement. Mais pour une fille, bon, vous avez beaucoup de raisonnements. Ça passe déjà dans l'intellect et puis vous, peut-être que vous pouvez même essayer à vous contrôler. Partant de la définition du baiser, baiser c'est l'effet d'appliquer sa bouche sur quelque chose, sur quelqu'un. Et personnellement, quand quelqu'un applique sa bouche sur moi, ça me réjouit beaucoup. C'est signe d'amour, d'affection en fait. C'est très différent parce que la main c'est pour tout le monde. Donc je peux saluer même un fou par la main. Mais quand il s'agit de baiser, le fou, je ne peux pas le saluer comme ça. Quand j'ai l'affection pour toi, je dois te saluer par un baiser. Pas n'importe quelle fille, une fille qui m'aime aussi. Donc c'est réciproque. Les baisers doivent être réciproques, d'une personne à l'autre. Pour tout dire, c'est difficile à expliquer. En fait, c'est du fond du cœur. On le sent à l'intérieur. On est incapable d'expliquer, en fait. C'est quelque chose qui est métaphysique, quoi. Fin de cette édition, portez-vous bien, au revoir. Un bon design, c'est magique. La nuit comme le jour, prenez des photos de qualité spécialement avec Camon Vent grâce à son appareil photo grand angle de 108 mégapixels. Prenez des photos dans tout angle et de tout genre. Ainsi, à travers la promotion longue et belle de Techno, dès aujourd'hui, achetez n'importe quelle série Camon Vent et recevez une réduction jusqu'à $10. Puis participez au tirage au sort le 3 juillet 2023 en direct sur RTN Kabukavu, Optionnel TV Goma et Moto TV de Boutembo. Pour recevoir des réfrigérateurs, des écrans flats et autres. Techno n'arrête à rien.